Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Nicolas Sarkozy, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors dans le procès Big Malion, vous avez donc été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne électorale. Bonjour Madame Gossuin. Merci Monsieur. Bonjour, bonjour. Il est arrivé menotté. Avec des menottes, ouais. Pourquoi vous restez debout, Monsieur Sarkozy? Asseyez-vous, hein, si vous voulez, soyez le bienvenu. Bah, disons que ce n'est pas question de vouloir, mais de pouvoir. Ah. Et là, je ne peux pas. Enfin, disons que je peux m'asseoir avant. Il faut juste que je retire ça. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Un peu là. Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Voilà. En fait, j'ai déjà préparé mes bagages au cas où les gendarmes viendraient me chercher pour la santé. Ah, bon, bah maintenant que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Sarkozy. Non, non, je peux toujours pas m'asseoir. Là. Qu'est-ce qui se passe encore? Attendez, bougez pas. Attendez. Qu'est-ce que vous avez caché? Eh, voilà. Non, parce que bon... si vous voulez, on n'a pas le droit d'emmener beaucoup de choses en prison, vous savez. Hein? Ah ouais. Mais Monsieur Sarkozy, cette peine de 1 an de prison ferme va être aménagée sous forme de bracelet électronique, vous savez? Ah bah vous me rassurez parce que je me demandais comment j'allais faire pour rentrer mon vélo. Ah. Je m'étais dit que j'allais profiter d'être à RFM pour demander des conseils à Vincent Richard. En plus, j'avais déjà mon bracelet électronique, regardez. Vous voyez? Il est joli. Hein. Bah comme il me restait un peu de sous sur facturation de Big Malion, j'ai pu me prendre le modèle premium. Ah, carrément la classe. Bah, bravo. Bon bonne courage, hein, monsieur Sarr. Bonne journée à vous, bon courage. Cyril Hanouna. Alors, Paris Match a révélé que vous seriez, Cyril, vous seriez le conseiller secret d'Emmanuel Macron. Ça va, ma chérie? Oui, toi. Ça va, ma petite beauté. Super. Je vous l'ai dit. Et les chéris, vous savez quoi? Déjà, je vous adore. Voilà. Merci. Moi aussi. Ça fait plusieurs mois que je n'étais pas venu. Hein, j'ai l'impression d'être planché. Vrai. Lui aussi, ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas venu. Oh, j'adore. Bon, en vrai, non. Ouais. Si Paris Match a mis en couve, voilà que je suis son conseiller secret. C'est parce que quand tu reçois des conseils de Cyril Hanouna, t'as vraiment pas envie que ça se sache. Vas-y Manu, attrape Castex par la taille. Et c'est la chenille qui redémarre. Hey, quelqu'un a déjà pété en conseil de défense? Non, c'est l'odeur de Jean-Yves Le Drian. Oh, j'adore. Non mais, ça en tout cas, je vous le dis, les chéris, voilà, c'est des mensonges. Et évidemment. Même si j'avoue que ça aurait pu expliquer comment tout part en couille depuis 2 ans. Manu, ma petite beauté, dis-leur de se faire des masques avec leurs vieux slips, ça va être une dark cadeau. Manu, tu sais que je t'adore, j'ai une idée de malade. J'ai organisé un happening de dingue où tu te fais gifler par le sosie officiel du sosie officieux de Jacouille la fripouille. Ah ouais. Manu frérot, les nouilles dans le slip, c'est has-been. On va te mettre un œuf sur le costard et ça va être plus gaulerie, tu vas voir. Bon allez, je vous laisse les chéris, j'ai rendez-vous avec Joe Biden. Pour bien lui expliquer la différence entre le bouton de l'arme nucléaire et le bouton pour appeler l'infirmière. Ah oui, c'est essentiel. On compte sur vous, Cyril. Merci beaucoup. Mika est avec nous ce matin aussi. Salut, Mika. Bienvenue sur RFM. Alors, Mika, dans The Voice All Stars, diffusé demain notamment, il paraît que Jennifer, pour l'émission de demain, a failli quitter l'émission. Waouh, cocu tout le monde. Déjà. Salut. Elodie, elle a été très colère. Et du coup, j'ai pas arrêté de lui répéter « Relax !» Mais il faut comprendre, ma Jen. Il y a un de ses talents qui s'est fait juter. Ouais, il s'est fait juter en direct. Enfin, comme je dis souvent à mon zizi, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de se faire juter, ok? Laugh today, laugh today. En tout cas, j'ai été peiné pour elle. J'ai même été peiné pour son talent. Et franchement, ça fait un peu mal d'être double peiné. Oh là là. Boum, boum, boum. Un jour, tu comprendras. Après, faut accepter les règles aussi. À la fin de l'émission, même si t'as beaucoup envie, bah, c'est juste pas possible de ramonner tout le monde dans ton équipe, ok? Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. I could be right on the sky. Bravo Marc-Antoine. Voilà. Incroyable, vous merci Marc-Antoine. En vidéo sur Facebook, on va la poster dans quelques secondes. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 et 8h45. La matinée continue avec The Kid Laroi et Justin Bieber. Stay sur RFM.